Peggy 12. Mille millions de mille milliards de mille savants de tonnerre de Brest. Nous, où m'emmenez-vous? Je vous ai rien demandé. Et qui êtes-vous à la fin? Gardez votre calme. Tonnerre de tonnerre. Accrochez-vous. Je veux remettre le pied sur l'eau. Je me sens pas bien. Patience. Laissez-moi descendre de là. Capitaine, arrêtez de crier, s'il vous plaît. Je dois rester concentré. On va mourir. Pas question. Tonnerre de tonnerre. On va s'en sortir. Et salut tout le monde, mes amis, c'est Tiborman97. On se retrouve pour toute nouvelle Let's Play, épisode 1 de Tintin, le secret de la licorne, adapté du bande dessinée. Oui, Milou. Bon, oui, j'arrive. Ah, te voilà enfin, sacripant. Où étais-tu encore passé, hein? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ça va, je te suis. Du calme, Milou. Ok, ok. J'adore les bandes dessinées, Tintin. Alors, c'est ça que tu veux me montrer? Calme-toi, Milou. Tu as raison. Elle est magnifique. Ça, c'est sûr. C'est une vraie caramelle. Caravelle? C'est bien ce que je dis. Hein. Elle vaut 90 francs. Milou, depuis quand t'intéresses-tu aux maquettes? Ça ne se mange pas. Je vous en offre 50 francs. Marché conclu. Et vous faites une vraie affaire. Combien, ce bateau? Ben, je viens de le vendre à ce jeune homme. Je vous le rachète. Je regrette, monsieur. Je ne souhaite pas du tout le revendre. Écoutez, je suis collectionneur. Je vous offre le double du prix que vous l'avez payé. Je suis désolé. Ne soyez pas stupide, jeune homme. Toi, sois pas stupide. Ça commence ça à bien faire. Du calme, Milou. Nous nous sommes tout dit. Au revoir, monsieur. Comme c'est étrange. Cette maquette attire bien de la convoitise. Je commence à penser que ce bateau nous cache quelque chose. Milou, qu'en penses-tu? Je connais quelqu'un qui est un expert en bateau. Je peux vous le présenter? Oh, oui. Merci. Allons-y. Donc, le jeu Tintin, le secret de la licorne, développé par Ubisoft, sorti sur PC, sur la Wii, PlayStation. Et je souhaite également faire cette vidéo pour partager mes souvenirs. Ainsi, vous avez la licorne. C'est son nom. Trois mâts, deux ponts, 50 canons. Une vraie célébrité en son temps. La licorne? Tenez, vous devriez lire ça. La licorne, histoire d'un déshonneur. La licorne, de Louis XIV, 1698, la licorne qui est à Saint-Domingue quand elle fait attaquer par Racam le Rouge.
Le capitaine abandonna son équipage et coula son navire. Tu entends ça, Milou? Cet acte de lâcheté marine et déshonora le capitaine sur plusieurs générations. Le capitaine de la licorne, François de Haddock. Ok. Il a coulé la licorne? Pourquoi? Pourquoi a-t-il envoyé son propre navire par le fond? Ce n'est pas écrit. L'histoire n'est jamais complète dans les livres, jeune homme. L'histoire est dans notre sang. Quel étrange dessin. On dirait qu'il y a un... Je le prends. Merci, messieurs. Bonne journée à vous. Je dirais que les mâts peuvent être tournés. Ah oui... La licorne. C'est ça, regardez. J'ai déjà joué à ce jeu... Tintin, le secret de la licorne. Et Il y a quelque chose à l'intérieur de cette maquette. Sacré Milou! C'est ça que t'avais senti, hein? On dirait un genre de rouleau de papier. Un vieux parchemin. Trois frères unis, trois licornes. Trois frères unis. Trois licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ouais. Je crois que, mes amis, c'est l'aventure qui commence. C'est lui. Aujourd'hui. Cucu. Ah oh. Hey, ça suffit. Rendez-la moi. Je vais m'aller quand tout de suite. Hey, lâchez ça. Alors, par contre, pourquoi ça rame? Attends, la résolution, je veux juste regarder... Non. Veuillez ne pas insister, jeune homme. Ah hey, arrêtez! Voilà. Mes amis, quoi? Voilà. Quoi? Stop! Voilà, ça. Oh. Ce gredin a eu tout le temps de s'échapper. Milou, à toi de jouer. Alors, coupure une seconde. Je me demande... Alors, je vais couper une seconde. Je vais voir sur mon disque dur, ça a l'air de bien planter là. Ou alors j'ai... Mes applications sont trop ouvertes. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, on va reprendre tout de suite là. Continue, Milou. Ok, ça a l'air de bien... Pourquoi s'intéresse-t-il autant à ce bateau? Quel est le secret de la licorne? Château de Moulinsart. M.G. Loiseau.
Ce n'est peut-être pas la peine de sonner, hein? Pas la peine de sonner. Ce serait Paulé à ta place. Non, c'est rien. Il est en train de rentrer chez les Loiseaux. On fait quoi, Alan? On fait rien, pour l'instant. Ok, il y a un autre... Ne nous faisons pas repérer. Ne nous faisons pas repérer. Oui, exactement. C'est trop risqué par là. Il faut trouver un autre accès, Milou. Il doit bien y avoir un autre accès. T'as une piste? T'as trouvé quelque chose? Alors, est-ce que tu l'as? Bien, un gamin l'a acheté juste sous mon nez. On l'a récupéré, et rien à l'intérieur. Le gamin a déjà découvert le parchemin, c'est sûr. Allons donc la remettre à sa place. Et puis on avisera plus tard. C'est bien l'homme du marché. Il faut qu'on remette la main sur ma maquette. Tâchons de les rejoindre. Encore coincé. Ah oui. Eureka, Milou. Suivons-le. Les rats savent toujours comment entrer. Il nous guidera. Ok. Il connaissait bien l'existence des parchemins. Allez! Pas un bruit! Tu as senti quelque chose? Cherche encore! Attends. Ah, continue! Milou! Je ne peux pas te suivre! Trouve-moi un accès, Milou! Tâche de m'ouvrir! Ok! C'est noté! Bisous! Bon. Allez! Faut toucher plusieurs fois, d'accord, d'accord. J'ai compris. Alors, allez, cassez-vous! Aha! Aha! Aïe! Arrêtez! Aha! Je connaissais... Tiens, il y a un truc là-dedans, là. Allons jeter un coup d'œil. Ah, j'obtiens un crabe. Ah oui, je me souviens, c'était... où il faut voir le coffre. Oui, d'accord, d'accord. Ok. Pour sauter, c'est... ouais. Clic droit. Voilà. Je sais pas, mais ça peut paraître compliqué de jouer avec les clics droits comme ça, là. J'arrive. On est dans les sous-sols de Moulinsart. On a réussi. Mais d'abord, je te confie le parchemin, Milou. Si je me fais prendre, ils ne le chercheront pas sur toi. Ok. Bravo, Milou. Nous devons retrouver la licorne. On dirait une sorte de crypte. Ouais, c'est glauque. Nous ne sommes pas seuls ici. Nous ne sommes pas seuls ici. Ah, je vois un coffre. Ok. Paf. Ah non, c'est... Ah oui, pardon. Désolé. Oups, merde. Non. Attends. Voilà.
Ces bâtiments sont des nids à poussière. Le château doit être les domestiques. Jusque dans ses moindres recoins. Quoi? Bonjour, je suis le chasseur de fantômes. J'ai été tué parce que... On devrait investir dans des plumeaux plus gros. Hop là. Cucu. Quoi? Ok, on va se battre. D'accord. J'adore. On dirait que ces messieurs ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Depuis le temps qu'ils couraient après. Ça n'a pas dû être facile de trouver ce bateau. C'est ce que j'ai entendu dire, oui. Ça veut dire qu'on va avoir une prime? Je rêve. Quoi? Ça fait combien de temps que... Prends ça! Hein? Prends ça! Ah oh, oui, hein? Ça fait mal! Ouh! Allez! Ouais! Bon, ok. Tous ces vieux meubles. On doit être chez des antiquaires. À quel genre de trafic se livrent ces oiseaux? Mais... Alors... Attends, je vais juste jeter un coup d'œil. Voilà... Je sens qu'on tient un sujet qui vaut de l'or, mon bon Milou. Encore un crabe. Bon. Chacun doit obtenir un crabe dans leur... Voilà. Nous nous passerons du dîner ce soir. Bien, monsieur. Hein? Quoi? Ouf. Quoi? J'espère que je vous ai pas trop fait mal, hein. Alors, qu'est-ce que ça? Encore un coffre! Allez! Je crois qu'avec le... Allons voir. Ouais. J'arrive. Mesdames et messieurs, vous allez voir... Vous allez voir l'aventure, ce qui va se passer. Quoi? Revenez! Bon, d'accord. Attends l'instruction. Ah, merde! Ouais, pour éviter se faire repérer. Pour éviter se faire. Allez, tombe. Voilà. Oula. Merde, j'ai vu un coffre là. Ah merde. Ah merde. J'aurais dû faire, bon, c'est pas grave. Les oiseaux doivent en savoir long sur cette licorne. Voilà. Allez, Louison! Attends, ils arrivent en montagne. Maintenant, ça va se corser. Ah, on va voir qui sont les vrais grimpeurs. Tu sais bien que nous sommes... Quoi? Un seul. Voilà. Je suis un chasseur de fantômes. Il faut que j'arrive à en savoir plus sur ce parchemin. Alors... Qu'est-ce que c'est qui va mener? Hop.
Comment on va t'en dire? Pas simple. À savoir où il est à présent. Non, mais quelle poisse! Allez, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. Mais... Il faut que je trouve les loiseaux. Allez, s'il vous plaît, Monsieur l'oiseau, là. Donnez-moi votre bateau, là. Ils sont en bois, de toute façon. Vous l'aurez mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, tu dis? D'accord, on déplace la queue. Ah oui, d'accord. Eureka! Ok. On est sur la bonne voie, Milou. Attends, je vais voir ce qu'il contient. Hein. Oh, 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 ah, et le coffre. Le coffre. Alors attends, on va le chercher. Hop, hop, hop. J'arrive, je suis à toi. Et ce sera de la merde pour remonter là. Voilà, allez. Ok, va falloir commencer. Il n'y a rien de tel que le Tour de France. Allez, Louison ! Je préfère copier. Je peux obtenir un coffre. Obtenir le crabe, je veux dire. Voilà, on va remonter cette fois. Le service ce soir. Quoi ? Bon. Un coup de terrible sur la tête de ces gars-là. Allez, ça rame encore. Merde. Ah non, je voulais lancer. Je voulais viser. Attends. Je me rappelle plus comment on fait. Arrêtez de planter, je vous en prie. Voilà. Bon bah je crois que t'es foutu mec hein. Voilà.
Ah non, ça c'est... Ok. Ah là 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 là. Bon. Ça fout la pétoche ici. La licorne est dans les pièces du haut, c'est sûr. Il y avait soit la... Il y a le vecteur 3... On est enfin sorti. Soyons prudents. Désolé mec, t'aurais... Soyez à l'heure aux cuisines demain matin à 5h. À quelle heure est le service ce soir? Attends. Quoi? J'espère que je t'ai pas trop fait mal. Mais rendez-moi mon bateau tout de suite. Ok. On se rapproche de la licorne. Je le sens. Minou, aide-moi. Allez, Minou. Ah. Ça fait trop longtemps que je porte les mêmes chaussettes. Bravo, Minou! Oh, ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà. Je suis profondément attaché à Moulin. Quoi? Vas-y. Vous soyez à l'heure aux cuisines demain matin à 5h. Hein? Les oiseaux ne doivent plus être bien loin. Ces messieurs sont-ils rentrés? Au fait, tu as parlé avec le jardinier? Ok. Oh, petit coffre. Et on obtient le crabe. Je crois qu'il y en a 15 en tout. Je suis plus. Nous allons à la salle de marine. On ne nous dérange pas. Certainement, monsieur. Oh, ok. Un bon domestique doit être vu et jamais entendu. Il faudra penser à repasser la serpillière ici. Vas-y, tombe. Voilà. Surtout que ça rame de plus en plus, ça m'énerve.
Ok. Alors, mes amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour la première épisode de Let's Play de l'étincelle secrète de la licorne. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Moi, j'ai trop bien kiffé le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. Je serai très très honoré. Et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode de Let's Play de Les Tintins, le secret de la licorne. Ciao tout le monde. Oh. Je sens que ça va être une aventure incroyable.